Labi tsutim, labi sherabdan, labi senma, tatu labarji, laba jatsa, labju lakji, the sumbun denayan the duar juru. This constitutes the Buddhist path in general, and of course, especially the Mahayana. These three superior, superior practices, like superior discipline, superior wisdom, and superior meditation, or superior mind. Nous en sommes maintenant à la stance 53, où est décrit ce qui constitue le bouddhisme en général, pas seulement le grand véhicule, et qui consiste dans le triple entraînement supérieur. La discipline supérieure, la connaissance supérieure et la concentration ou l'esprit supérieur. Of course, as we talked yesterday, all kinds of discipline is so important. Discipline is like, as Nagarjuna said here, it's like the ground where all the, you know, everything happens. It's like a base for all the virtue quality, virtuous quality. Donc, pour ce qui est de la discipline, nous l'avons vu, et même dans ce texte, Nagarjuna qualifie la discipline de sol, de terrain sur lequel peuvent croître toutes les vertus. But what makes superior discipline? Mais qu'est-ce que ça veut dire supérieur ici? Qu'est-ce qui rend supérieur une discipline? Okay, if the discipline is sealed or accompanied by the understanding of the view. Elle devient supérieure dès lors qu'elle est scellée ou accompagnée par la vue. Or at least, as in the Kanjuri Rinpoche's commentary, at least if the discipline is, if the practice of the discipline is dedicated to the for the nirvana, for the realization. Ou comme le signale Kanjuri Rinpoche dans son commentaire, qu'au moins cette pratique de la discipline soit orientée, qu'elle ait pour but ultime le nirvana. Again, this is important because I think we talked before also. I think it was a few stanzas before. Also, in the Prajnaparamita that I was reading yesterday and day before, it was mentioned again and again and again how all the other paramitas are really like a blind if without the wisdom. Et nous l'avions vu déjà plus haut dans le texte, et sans arrêt la Prajnaparamita le répète, que toutes les vertus ne sont transcendantes, les six vertus transcendantes ne sont telles que lorsqu'elles sont elles sont aveugles si elles ne sont pas accompagnées de la vue, de la connaissance transcendante. It's really important. This is why you will also notice that there is no fixed Buddhist uniform clothes. Donc il n'y a pas de tenue ou d'uniforme bouddhiste précis. In the Vinaya, Buddha explained very clearly how the monks should dress and all that.
Donc dans le Vinaya, le Bouddha a expliqué avec beaucoup de précision comment les moines doivent s'habiller, etc. But always made sure mentioning that in different places, like cold places, hot places, things can vary. Toujours en prenant soin de préciser que il fallait tenir compte de l'endroit où on se trouvait, tenir compte du chaud, du froid, et ainsi de suite. Okay, now probably I'm being chauvinist here. Bon, je serais peut-être un peu chauvin. Many, many religious ethics and morality is based on some kind of a custom of a specific tribe or a specific, what do you call it, culture or a country, which is then later imposed on others. This is what we call discipline without the wisdom. Et toute éthique, toute forme de morale est forcément basée sur une beaucoup de formes d'éthique et de morale sont basées sur une coutume que je qualifierais de tribale ou une culture. Et après, imposer cette forme particulière et l'appeler éthique ou discipline universelle, c'est ce que j'appelle la pratique de la discipline sans sagesse. Like Buddha has nothing against hair. Le Bouddha n'a rien contre les cheveux. It's not because of that he asked the monks to shave their head. C'est pas parce qu'il aimait pas les cheveux qu'il a demandé aux moines de se raser. Because in other teachings, you are not allowed to cut. Il y a d'autres enseignements où il est interdit de se couper les cheveux. Keep it, you know, long, very very long until you cannot cut. If it falls, then it falls. Otherwise, you cannot cut. Same taught by the same person. Et c'est donc la même personne qui a enseigné qu'il ne fallait pas se couper les cheveux, les laisser pousser à l'infini, jusqu'à ce qu'ils tombent d'eux-mêmes. So the discipline, if not accompanied by the view or the wisdom, at least it has to be dedicated to the enlightenment. It should be, the practice of discipline should be done for the sake of enlightenment, not for the sake of some kind of a moral perfection or looking serene or looking superior. Et cette, à défaut d'être appliquée avec la vue, avec la sagesse, la discipline devrait être pratiquée dans le but en dédier les vertus à l'éveil et non la pratiquer par une espèce de perfectionnisme moral ou pour atteindre une espèce de sérénité ou se sentir supérieur aux autres. The word superior is explained. The superior is the, what makes the discipline superior when it is accompanied by the view or the wisdom and or dedicated for the nirvana. Donc le mot supérieur dans l'expression discipline supérieure signifie que la discipline est pratiquée soit avec la vue, soit elle est dédiée, elle est faite en vue de l'éveil. Otherwise, it's just to look good and sinon, feel good. Sinon, c'est simplement une manière d'avoir belle apparence et de se sentir bien. Yeah. Then superior, what do you call it? Wisdom. Ensuite, that, as we talked this morning, has to have the element of understanding this selflessness of the person and the phenomena. Until then, it is not really a wisdom. La connaissance supérieure ou la sagesse ne mérite ce nom que lorsqu'elle connaît aussi l'inexistence du soi personnel et du soi des phénomènes. Understanding many, 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 many things. Understanding lots and lots of different, you know, things like plants, roots, or whatever languages, or cleverness, clairvoyance, all of this
does not qualify as a wisdom. La sagesse ne consiste pas donc à connaître des tas de choses, connaître tous les noms des plantes, s'y connaître dans leurs racines, s'adonner à toutes sortes de langues ou pratiquer même la seconde vue. Tout cela, ça ne mérite pas en soi le nom de connaissance ou de sagesse. Someone who speaks 10-20 different languages, someone who has finished 20 different PhDs, if they don't understand the selflessness of the person and the phenomena, equally idiot, if not worse. Quelqu'un qui connaîtrait 20 langues ou qui aurait passé 20 doctorats, s'il ne comprend pas l'inexistence du soi des phénomènes et de l'individu, et ne mérite pas d'être appelé sage. They have... bref, il est aussi bête qu'avant. They could be worse because they have much more thicker caskets. Et on peut dire qu'il risque même d'être pire qu'avant parce qu'il a une casquette plus épaisse. And then superior mind or superior meditation. Une coque plus épaisse. Maintenant, nous en sommes à la méditation ou à l'esprit supérieur. Is mioa, mioa, non-moving children, unmoving. Unshakable. Unshakable is the quality. Unshakable is what makes the superior mind. Un esprit que rien ne peut ébranler, c'est ça qui le rend supérieur. And when we say unshakable, of course, it's nothing to do with like state of space, spaced outness. Quand on dit, parle d'inébranlabilité, ce n'est pas le fait d'être complètement à côté de la plaque. Sedated situation. Quand on a pris une sorte de somnifère ou de calmant. Or a big rock falling over your head and you are unconscious. Ouais, those are also unshakable. Le fait de se retrouver inébranlable parce qu'on est non seulement inconscient, mais qu'on ne peut plus bouger parce qu'on s'est pris un gros rocher sur la figure. Basically, when your mind is unshakable by past, present, future. C'est, en fait, au fond, ça veut dire que l'esprit reste inébranlé, insensible au passé, au présent, au futur. Mioa, it's like really not contaminated or tainted by all kinds of, you know, in the Prajnaparamita Sutra, remember we said, Mila Neparmija Engul, do not sit on the eye. Chak, you're right, do not sit on the eyes, do not sit on the eye consciousness, right? When you sit on that, then it is tainted. En fait, ça veut dire ne pas être souillé, l'esprit, que l'esprit ne soit pas souillé ou contaminé par différentes choses, comme nous le disions ou le lisions dans la Prajnaparamita, qu'il faudrait que agir sans s'asseoir ou prendre place ou faire fond sur ou se fixer dans l'œil, l'objet de l'œil, etc. Yeah, freedom from that. When you are free from that, then there's a superior mind. Un esprit est supérieur quand il est libre de cela. Yeah. So, within these three practices, all the other practices, such as, you know, like, you know, this is basically, you know, Nagarjuna telling the king, even though you are not a monk, if you are practicing these three, you are basically equally practicing all the monk's vow. Et c'est ce que donc Nagarjuna s'efforce de dire au roi, qui n'est donc pas un moine. Il lui dit, même si vous n'êtes pas moine, et si vous pratiquez ces trois disciplines supérieures, ces trois entraînements supérieurs, vous agirez, vous aurez les mêmes... vous agirez comme un moine. Then, Wangchu luto tremba desheji, tremba drabajik bi lamdu nyevarten. Then, it dream ningambar sungjite, tremba nyambi chuginji parjur, 54. L'instant 54. Oh, mighty one, something like that. You know, my lord, referring to the friend.
Là, il l'appelle Monseigneur ou Sire. We have discussed this again and again. How mindfulness is the practice. Donc, nous l'avons dit maintes et maintes fois. Comment l'attention donc est la pratique. Mindfulness is the this is taught by the Buddha as the only path to be followed. Elle a été enseignée l'attention par le Bouddha comme la seule voie qu'il faille suivre. If you don't have the mindfulness, like Nyoshu Kempa said, "Dame chakvi pung Buddha." If you don't have the mindfulness, you are like a pile of shit. Et comme l'écrit le Kempo, Nyoshul Kempo, si vous, sans attention, vous êtes comme un tas de merde. So, pay attention to mindfulness. Donc, faites attention à l'attention. You know, this mindfulness is really, really nothing. It's, you know, even though it's difficult to get to become a habit, the actual mindfulness technique can be very simple and very easy. Et même s'il est difficile d'en prendre l'habitude, les techniques qui permettent de développer l'attention sont très faciles. Really, sometimes, you know, you go here, there, spaced out totally. Il nous arrive de nous balader de ci, de là, complètement à côté de nos pompes. Conversation with the people. On discute avec tout le monde. 4 pints of beer. Après cinquième boc de bière. The fifth out of 6 French course food. On en est au sixième plat d'un repas traditionnel français. Or, I don't know, like. Very distracting friend in annoying or blissful way, both doesn't matter. On se retrouve avec un ami ou une amie très distrayant de façon agréable ou désagréable, peu importe. Or in the middle of the movie. Ou en plein milieu d'un film. Or I don't know, even in an instant glance at somebody's cleavage. Ou bien un regard instantané à un endroit fendu chez quelqu'un. Or an instant glance at upper bulge or lower bulge. Bulge is a mass. Une épaisseur. Un regard sur une. Something gonflé. Gonflé, oui. Un renflement supérieur ou inférieur. Un regard porté là-dessus. When these things happen, when you know that that's happening at that time, that will do. Do you know that? This is how simple it is. Eh bien, quand ce genre de choses arrive, savoir que ce genre de choses arrive, qu'il a lieu, eh bien, c'est cela. C'est aussi simple que cela, l'attention. That will do does not mean that you should only, you know, that's it. You don't have to practice. No, not, you know, I mean the actual way of doing. You don't have to do all kinds of, you know, like other things. Just have to know that that's happening. Il faut. Je ne dis pas qu'il faut s'empêcher de pratiquer, mais quand cela nous arrive, cette donc, le fait de savoir que ce qui arrive, arrive, c'est ça. You should really try this next time when you get angry.
on n'a pas besoin de il n'y a pas besoin d'autres préparations autour de ça. Et donc, sachez donc la prochaine fois que cela vous arrivera, que vous vous mettrez en colère, pardon. Sachez-le. Next time you should really try this. When you are angry, you should just knowing that. Donc, quand vous vous mettez en colère, juste vous en rendre compte. How, you know, how, I don't know how to express this, but yeah, you have to taste that knowing that, knowing as it's happening, you should taste that. Donc, éprouvez-le, faites-en l'expérience de se rendre compte de ce qui est en train d'arriver quand ça arrive. And that's mindfulness. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attention. And lot of that, dont la plupart, when you have lot of that, donc quand on l'a fait beaucoup de fois, all the carefulness will just end up coming. Et ce fera que cette attention viendra. Whenever you are about to do something fishy. Dès que l'on sera sur le point de faire quelque chose d'un peu douteux, you will experience like as you are peeing, if somebody look at you from the front, it stops automatically. C'est comme quand on est en train de faire pipi et qu'il y a quelqu'un qui vous voit d'en face, pop, ça arrête l'écoulement immédiatement. So this will free you, free. You et know. Ça nous libérera. So mindfulness so important, so important. C'est si important l'attention. As you keep on doing that, more and more appreciation, devotion to the Dharma, the path of mindfulness, and therefore the tutor, the Buddha. When this happens, more and more. Donc, quand plus cela arrivera, plus on comprendra ce que voulait dire le Dharma, plus on l'appréciera et plus on aura de reconnaissance envers le Bouddha. And then, looking at other people who does not have this mindfulness. Et quand on considérera les autres qui n'ont pas une telle force d'attention. You know, like in Paris, those young people who are with a suitcase, with a tie, you know, going up and down, whole day looking, trying to look very smart and busy, but no mindfulness at all. They don't even, they haven't even heard what mindfulness is. Tous ces gens en costume, cravate, avec leur attaché case, qui courent dans tous les sens en se donnant un air d'importance, qui ne sont pas du tout pris par l'attention, qui n'en ont peut-être même jamais entendu le nom. And then entangling themselves all the time in the office, back home, there, here. Et qui passent leur temps à s'enferrer et à s'enfermer dans leur à aller du bureau à la maison et de la maison ailleurs. When you see them, as some kind of a, you know, compassion, like, oh, you know, if only, you know, like, they are aware of that. Si on peut être pris d'un moment de compassion et de se dire, mon Dieu, si seulement ils pouvaient être conscients de cela. These two, devotion to the Buddha Dharma and compassion to those who doesn't have this mindfulness, these two, when this grows, these two are the sign of your progress. Quand on a plus de dévotion à l'endroit du Bouddha et du Dharma du Bouddha, et quand, d'autre part, on a plus de compassion, comme on vient de le voir, quand cela prend certaines proportions, ce sont des signes de progrès dans la pratique. One can't really judge the progress of a spiritual path through who has the longest lasting smile or who has the shortest temper or stuff like that. Can't really judge through that. On ne peut pas évaluer les progrès spirituel sur des critères comme la longueur, celui qui a le sourire qui dure le plus longtemps ou celui qui s'énerve le plus vite.
And of course, the dreams and the visions and the experiences, actually, I should tell you, not only you should tell anyone else, from now on, when you have a good dream or good experience, visions and stuff like that, you should take a vow never to think it again. Vous savez, les rêves, les visions, les expériences un peu étranges, je vais vous dire quelque chose. Quand, s'il vous arrive de faire un bon rêve, vous ne devriez jamais le dire à personne et à quiconque, et même faire le vœu de ne plus jamais y penser. And definitely not write it down. Et surtout pas de l'écrire. That's like walk on the shit and then walk on the same feet without washing, walking on the bedroom. C'est comme avoir marché dans la crotte et aller continuer de marcher dans sa chambre sans s'être déchaussé. Especially other people's shit. Et particulièrement la crotte de quelqu'un d'autre. So it's really, this is really tough, but you should try to do this. C'est dur ce que je dis là, mais il faut vraiment essayer de le faire. La stance 55 nous rappelle une autre fois l'impermanence. That our life is just so, fragile. Que la vie est si fragile. More fragile than bubbles in the water. Plus fragile que les bulles sur l'eau. You know, if you think about that, how fragile it is, it's really amazing that after a sleep, that you actually woke up still alive. Quand on considère la fragilité de la vie, on ne peut qu'être complètement étonné de se réveiller le lendemain, de se réveiller vivant après la nuit. Because the death is basically wind not coming in, you know, the air not coming in. That's it. And then therefore not going out, of course. La mort, c'est quand on ne peut plus inspirer et que, bien sûr, on n'expire plus. And it's just amazing when you wake up from a sleep to find out that this fragile wind going in and out has been continued. Donc, n'est-il pas étonnant et bouleversant de se rendre compte quand on se réveille le matin que ce fil d'air ténu continue d'entrer et en nous et d'en ressortir. Reminding his friend not to be so attached to the body. Nagarjuna rappelle à son ami qu'il n'est pas nécessaire d'être attaché au corps. Actually, 20th century, I think, people, we have developed unnecessary paranoia and concern on body. Many of them, not only unnecessary, just ridiculous. Je pense qu'au 20e siècle, on a fini par inventer, déployer tout un système de soucis par rapport au corps. Aussi peu nécessaire que ridicule. Some of the things maybe is understandable, like talcum powder. Which one? Le talc? Il y a des trucs vraiment utiles, je crois, comme le talc, par exemple. Talcum powder is kind of understandable. Oui, vous comprenez à quoi ça sert. You know, less irritation and stuff like that. Et oui, moins d'irritation et ces choses-là. But there are so many things that's just absolutely ridiculous.
Mais il y a tellement d'autres choses qui sont totalement ridicules. And things that, you know, like machines to lift up the spoon so that the food will be delivered in the mouth. Par exemple, une machine à soulever la cuillère qui verse la nourriture dans la bouche. Oh, you should read the mail order in the United Airlines. La commande sur les vols de United Airlines. They have amazing stuff. Il y a des trucs incroyables. Nose hair trimmer. Un cure-narine. Stuff like that. Des trucs comme ça, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Un truc pour couper, pour épiler les poils dans les narines. Oh, believe me, I buy many of these. I like them. Moi, j'ai tout essayé. J'en ai beaucoup acheté. And then suddenly, oh, we haven't moved enough. Because, you know, you have the sedentary life, you know, because even the spoon you didn't lift. Alors, finalement, comme on ne s'est plus remué suffisamment, hein, même on allait jusqu'à ne plus soulever sa cuillère. Then you see the rows of people. Après, on voit des rangées. Jumping on the treadmill. On voit des rangées de gens en train de courir. Ah oui, à courir sur des tapis roulants. So there are things that we do a lot of, yes, just unnecessary, just ridiculous, overly paranoid about the body, which, as Nagarjuna said, going to fall apart, deformed, disintegrate, anyway, no matter what you do. Donc nous avons un comportement exagérément paranoïaque par rapport au corps qui de toute façon, comme le précise Nagarjuna, de toute façon va tomber en morceaux, va se déformer, se désintégrer, quoi que l'on fasse. Even the big structure like mountains, rivers, oceans, they get destroyed, they get disintegrated, so on and so forth. Même les objets immenses, les structures compliquées de la nature comme les montagnes, les fleuves, les océans vont se désintégrer, désintègrent. And our body, if you really think carefully, our body is just hanging there. Et à bien y réfléchir, notre corps ne fait rien d'autre que de vivre en suspens là-dedans, ici. Like our nose is just hanging there. Any moment it will drop. Notre nez, vous voyez, il est suspendu là. D'un moment à l'autre, il peut se casser la figure. Like our legs are just hanging there on our hips. Just hanging. Et nos jambes pendouillent de nos hanches. Juste, elles font rien de mieux. So, this bubble-like, even more fragile than the bubble, of course, this can disappear any second, any moment. Et ce corps, donc, notre corps, plus fragile que la moindre des bulles, peut disparaître, bien sûr, à n'importe quand. Tetra dikun mita dame de chame gume neme tele do korwa chushin himbo meba le micho chöji tuni uyunzu. Therefore, all these, because all these are impermanent, and no one can change that fact of impermanence and the devoid of self. Et donc, puisque tout cela est impermanent et que personne n'y peut rien, personne ne pourra jamais changer le fait que tout soit impermanent et dépourvu de soi.
Plantain. So, like a plantain. Donc, comme un bananier plantain. Not to be too attached to this. Faut pas être trop attaché à tout cela. Jamso chigne nyashing puga dang rubal cheba beche dunrole mini che top kawe miwangi tamje cheba dende cheber dzo stanza 59. Stance 59. Ou mieux vaut lire, il est plus facile pour une tortue que difficile. You know, like sinking or the connecting the blind turtle and the floating yolk is almost like impossible. Donc cette jonction entre la tortue qui remonte du fond des mers et le joug qui flotte, c'est une quasi-impossibilité. Even harder is the birth of the human being. Et bien plus dur encore est le fait de trouver une vie humaine. So, make your precious human body worthwhile. Donc faites de votre précieux corps humain quelque chose qui en vaut la peine. This is again another specific quality of Buddha Dharma, Buddhism. Et ce conseil, everybody wishes to be kind of gods and stuff like that. Only Buddhism talks about prefer to become human. C'est encore une des particularités du bouddhisme. La plupart des autres religions, on a envie de devenir un dieu ou quelque chose d'analogue. Seul dans le bouddhisme, il est recommandé de vouloir être un homme. Many reasons for that, but mainly because only human beings have only with a precious human body, it has the perfect capacity to sort of contain the dharma. La raison principale de cela, c'est que seul un précieux corps humain a la capacité de contenir le dharma. This is even more so for the tantric practitioner. Et d'autant plus pour les pratiquants du tantra. Okay. One reason is human beings has the capacity to understand the first truth of the Four Noble Truths. Parce que les êtres humains ont la capacité de comprendre la première des quatre nobles vérités. Know the suffering, remember? De reconnaître, vous rappelez-vous, de savoir ou de reconnaître la souffrance. Yeah, so that's why it's so important. C'est voilà pourquoi il est si important d'être un être humain. Especially those who has the precious human body. Et particulièrement d'avoir ce qu'on appelle une précieuse existence humaine. Which will be explained in the later stanzas. Qui sera expliqué dans la stance suivante. But first,
Pardon, ce sera expliqué à la stance 61. Pour l'instant, la 60. If you use a golden spoon or something, golden vessel to clean the garbage or dirt. Ce serait comme utiliser un outil ou une cuillère ou une pelle en or pour nettoyer l'ordure. Then that's really a waste of such a tool. Ce qui est quand même vraiment mal utilisé, un tel outil. So is if you using this precious human body, if you try to accumulate illusory, samsaric, you know, futile, useless stuff. Et il en est de même si avec ce corps humain, nous essayons d'accumuler ces choses illusoires, samsariques, inutiles et futiles. This is kind of quite a popular quotation that's quoted many different places. Et la stance 61 parle de quelque chose qui est populaire et qui est fréquemment cité. This is Nagarjuna saying to his friend that you have a certain quality that you should not waste. Donc Nagarjuna rappelle à son ami qu'il possède certaines qualités qu'il ne devrait pas gaspiller. The first one is that you are not son of Bill Gates. La première de ses qualités, c'est que, ô roi, tu n'es pas le fils de Bill Gates. I know, maybe Bill Gates is not the right thing. Peut-être que ce n'est pas la bonne comparaison. Oh, I know. Rupert Murdoch. Le fils de Rupert Murdoch. You are not the son of Rupert Murdoch. That's the first one. Tu n'es pas le fils de ce monsieur, ça c'est le premier point. Rupert Murdoch has been here for a long time, isn't it? Oui, il a duré, Rupert Murdoch. On parle de lui depuis longtemps. I was just saying, if you live, or if you are being bound by a certain order, if you happen to be in a place where you have no chance to see suffering or no chance to see the path to get rid of the cause of the suffering, then that's really not good. Then you are really basically destitute. Tu es un pauvre malheureux vraiment
si tu vis dans un endroit où tu n'as jamais l'occasion de voir la souffrance, ni la voie qui mène en dehors des causes de la souffrance. Tüm birçok büyüdü ne? So you not in the right place, right? But you, on the other hand, you dwell in a place that is the right place. Donc au contraire, Nagarjuna dit au roi qu'il vit dans le lieu, dans le bon endroit, au bon endroit. Second is having a spiritual or virtuous friend, meaning someone who would give you influence of virtue. Ensuite, la deuxième circonstance favorable, c'est que il a un ami vertueux, autrement dit un ami de bien, quelqu'un qui peut lui indiquer le bien. Now, even though if you are in a right place, if you have a good spiritual companion, but if you don't have the wish, then that's not good. But you do have a wish. Et le troisième point, c'est si bien que tu te trouves au bon endroit et que tu sois accompagné par des êtres dignes, si tu n'en as pas le désir. Even though you have all the three, but if you don't have the merit, then you may not be able to move. Et enfin, en quatrième point, il faut avoir les mérites d'évoluer, même si on en a le désir, qu'on est accompagné par des êtres sublimes et qu'on se trouve là où il faut. Like a car needs like preferably four wheel, what do you call it, wheels. De même, comme on dit qu'une voiture, il lui faut quatre roues. Il faut ces quatre choses. And this is what you have. Et c'est ce dont tu es en possession de tout cela. So do not waste it. Ne le gaspille donc pas. Okay, maybe we'll continue. So we do a little bit of question and questions. No. On peut. S'il y a des questions. Rinpoche, and the question from yesterday and the day before, you're talking about the four immeasurables and not being big and not being small. And then the day before you talked about it's good to be just enough. And then also about Prajnaparamita being vast. Mm-hmm. Can you... Just enough, what was that? I forgot. That you should be satisfied with what is here. It's just enough as it is. Oh, I was talking about, I think about the practice. I think so. Like, anyway, not big, not small, and what was it, the Prajnaparamitas? Is vast, infinite, beyond infinite. Yeah, that's same thing. As big and small. Not big, not small, infinite, it's the same thing. When we practice, I think so, I think that's what we were talking about. Or maybe we were talking about the wealth. Contentment. Yes. Okay. So it's not the same? No, I don't think so. I think we were talking about the practice, the contentment. La question, si j'ai bien compris, portait sur des questions de mesure. Les quatre immensurables dont nous avons parlé hier, on a parlé aussi de ni trop ni trop peu, mais juste assez. On a dit que la Mahaprajnaparamita était immense ou infinie au sens où elle ne relevait ni du petit ni du grand. Et on a parlé donc de la notion de assez. Et assez, c'était pour la pratique, non, pas pour la pratique, c'était plutôt... pour la richesse, quand on pense qu'on a assez, qu'on est satisfait, on est donc l'homme le plus riche du monde.
Rinpoche, you said that the selflessness of the phenomena is easier than the selflessness of self. Of course, emotionally, I understand. I prefer that you break my car than my head, of course. But it is said at the beginning of Chandrakirti that we know that, first, we know that the Niente, the Shavaka, have the selflessness of the self, but not of phenomena. And it is said at the beginning of Chandrakirti that even the baby bodhisattva completely outshine the Shravaka. Can you explain somewhat this? The baby bodhisattva outshine the Shravakas mainly through merit. Why don't you translate? Both question and answer. Translate. First, la question. D'abord, la question. Je demandais à Rinpoche pour comment avait-il dit que le non-soi des phénomènes était plus aisé à comprendre que le non-soi de la personne, de l'individu. Parce que c'était émotionnellement compréhensible. Cependant, dans Chandrakirti, on dit que même le débutant bodhisattva complètement éclipse le Shravaka. Et Rinpoche a répondu que la manière dont le bébé bodhisattva éclipsait le Shravaka était à travers ses mérites. I was talking more about, you know, from our subjective level, we don't, you know, we can do without Eiffel Tower, but we can't really do without ourselves. Yes, but it seems, not from my knowledge, but from what I've read, that the selflessness of individual is mainly emotional. And the selflessness of phenomena, it seems, is not only emotional, but has also to do with wisdom, because the main difference also between Shravakas and yes. Bodhisattvas yes. is the wisdom. Yes. So? So, it seems that to truly understand the selflessness of phenomena, it's not sufficient to get rid of emotions. It seems. Oh, yes. Yes. To truly understand the selflessness of phenomena, understanding the selflessness of a person is not enough. Of course. Well, it seems. Alors, je traduis aussi. Je demandais à Rinpoche, puisque la principale différence entre les Shravakas et les Bodhisattvas est qu'ils ont tous les deux complètement vaincu les émotions, il semble que le non-soi des phénomènes soit, pour comprendre le non-soi des phénomènes, il ne soit pas suffisant d'avoir vaincu les émotions, mais qu'il faille qu'il y ait aussi un problème de sagesse, puisque c'était la principale différence entre les deux. Et Rinpoche dit que oui, pour comprendre le non-soi des phénomènes,
cela ne suffit pas, le niveau émotionnel ne suffit pas. And so I was wondering whether you were mistaking when Rinpoche said that that we wouldn't be so disturbed if we were told that Eiffel Tower didn't exist, whether you were mistaking the fact that not being disturbed by Eiffel Tower not existing to be understanding the selfless self phenomena, which Rinpoche didn't say. Et Kensei Rinpoche ajoute. Non, donc Rinpoche se demandait si vous aviez compris le fait que la tour Eiffel n'existe pas, qui nous dérange beaucoup moins que le fait que nous n'existons pas, si vous aviez compris cela comme étant le fait que nous comprenions la non-existence des phénomènes que Rinpoche n'a pas dit. Thank you very much. I was asked by someone if all those thinking about the selflessness of the self, the non-existence of the self, and impermanence, does that should lead us to fear death? Because it's very striking when we are cherishing the self all the time, when someone says, actually, yourself don't exist. Will it be like a death, did you say? Yes, or lead us to be scared of death. Yeah. Selflessness. Oh, I can't help but I have to say this. You want to translate this? What? Tu veux traduire ce que tu viens de dire? En fait, ce que je demandais à Rinpoche, c'était est-ce que essayer de comprendre la non-existence du soi personnel et de l'impermanence devait ou pourrait ou en fait nous amener à avoir peur de la mort. The selflessness is again, like the stranded emptiness understanding of, it's not a just negative. Death seems to be exist and then becoming non-existent. But the self does not exist right from the beginning. Quand on parle de l'inexistence du soi, c'est comme quand on parle de vacuité. Il ne s'agit pas d'une négation absolue. Quand on parle de la mort, par exemple, souvent on entend quelque chose qui existait puis qui soudain n'existe plus. Quand on parle de l'inexistence du soi, c'est pas un soi qui était puis qui ne sera plus, c'est un soi qui dès le départ n'est pas. I'm sure many of you will not like this, but I have to tell you this. Je suis sûr que vous n'allez pas beaucoup apprécier la plupart d'entre nous, mais il faut que je vous dise ceci. I have to quote Rajneesh. Je vais citer Rajneesh. I like this man, I tell you. Ah, je l'aime bien, cet homme-là. I'm sure for most of you, he annoys you, but he's. I like him. I like to listen and read. Je pense que vous le connaissez. Moi, j'aime bien l'écouter et le lire. He said, "The Buddhist non is a very special non." Le non, N-O-N, bouddhiste, est un non vraiment spécial. He said, "In the Buddhist non, there is 1 billion yes." Et dans un non
bouddhiste, il y a 1 milliard de oui. Ok. Hello. Okay. Thank you, Rinpoche. This morning you said that appearance is not chaotic and that it's very orderly. But there seem to be two different kinds of people who see it disorderly, either orderly. You know, chaos is also orderly, right? Mm. Yeah. But there's some kind of order. Yeah, the order, whatever, you know, disturbing, not disturbing, yeah. So if you see in the mirror, you see yourself yes. normally. Yeah. But there seem to be two different kinds of people that see it differently. Either sort of highly realized beings to see things differently, and also people who we look at as having mental problems. Yes. So I'm wondering a couple of things about that, if there is some kind of overlap between mentally... this sublime being and or also if it's something that we should be pursuing. No, there's actually a classic answer for this. Okay. I'll try to think about this. There's a very good explanation by Jingme Lingpa. Really good one. I'll try to remember that. Can't remember now. But basically, you know, big difference, very, very big difference, because the insane person's perception is cause and conditioned again, you know. The yogi's perception, well, depending on what kind of yogi, if we are talking about really high yogis, then it does not breed. Let me tell you that. Yeah, I think that's it. Yogi's perception does not breed. It does not breed problems, and it does not go like that. It does not know that three emotion that yesterday we talked. The insane person has these three emotions going round. So it breathes, samsara. Is that something? But I will try to remember that, Jingme Lingpa's. Okay. Is that something we're supposed to
or not supposed to, but should we be pursuing, you know, yes, seeing yes, the very much. Yeah. Yeah, of course, from outer people, from other people's point of view, probably they might think that the yogis and insane people are similar. But that's... La question portée sur le qu'est-ce qu'on voit dans un miroir si on est un fou ou un yogi. Parce que pour les gens du dehors, le fou et le yogi se ressemblent un peu, ou on peut croire ça. Mais il y a quand même une grosse différence entre ce que perçoit un yogi et un fou. Le fou, lui, il est encore soumis aux à toutes les causes et conditions, et il perçoit en créant le cycle des trois émotions, comme nous l'avons vu hier et avant-hier. Le fou nourrit ou produit et perpétue le samsara, alors que quand le yogi a supposé que ce soit un yogi hautement réalisé, lui, dans sa perception, il ne perpétue pas le samsara sous la forme des trois émotions que nous avons vu hier. I'm sure many of your parents, friends, I don't know, your colleagues must think it's insane to spend summer, European summer, doing this. Je suis sûr que vos parents ou amis et relations doivent trouver un peu fou de passer son été à faire ce que nous sommes en train de faire. Instead of going to Croatia. Au lieu d'aller en Croatie. And put oil on your body. En suilant le corps. Mm. Whoever has the mic. Yes. Rinpoche, you say that it's very difficult for us to admit and to understand that the self doesn't exist. But are you not making it a little bit too much complicated by saying that? Because... that the self doesn't exist means the self is made of non-self element or void of proper nature. That is to say, our body is made of water, sun, minerals, so our body is made of non-body element, so that the self doesn't exist means exactly and only that the self is made of non-self elements. And this is very obvious. even at school, Lavoisier, who was kind of Buddhist, said, rien ne se perd, rien ne se crée. Nothing is created, nothing disappears. So this is exactly no beginning, no end. This is exactly the self doesn't exist. Yeah. And if we explain it this way, it becomes very simple, easy, obvious. So am I right or am I disturbed? Actually, the truth is you are right. Actually, it's very simple, but only when somebody pinch your girlfriend's bottom. then it comes up. That's the only problem. Yeah. All right. je peux le faire vite. Pour redire brièvement la question et donner toute la réponse. Vous avez insisté peut-être en disant combien il était difficile d'admettre l'inexistence du soi individuel. Et peut-être ne craignez-vous pas d'avoir rendu la chose un peu plus compliquée qu'elle ne l'est, puisque un soi n'existe pas tel quel, puisqu'il est fait de tas d'éléments qui sont non-soi. Comme le corps est fait d'éléments qui ne sont pas des corps, mais des minéraux, des choses comme ça, qui ne sont pas le corps, mais ce sont des non-corps. Donc est-ce que vous compliquez pas un peu la sauce en disant que c'est très... est-ce que j'ai raison de dire que c'est comme ça, que c'est évident, c'est si simple, cette inexistence du soi? Vous avez raison, dit Rinpoche, vous avez raison.
jusqu'au moment où quelqu'un viendra passer les fesses de votre petite copine. Only someone like Trisong Dyutsen. Quelqu'un comme le roi Trisong Detsen. Looking at one of his most favorite queen. Qui regardait l'une de ses reines, l'une de ses favorites. Yeshetsogel. Yeshetsogel. And offered to Guru Rinpoche. Il a su l'offrir à Guru Rinpoche. Yeah. Then. Then Yeshetsogel ended up teaching more of these to other people. Et si bien que c'est Yeshetsogel qui a fini par enseigner la, encore plus de choses à ce sujet aux autres. Ok. Who has the mic? Yeah. Ok. Thank you for your teaching, Rinpoche. I'm a little bit like that guy, trying to sort of understand the, sorry, the paradox of the path, and looking for the kinds of languages, words, images that can support my understanding of emptiness and no self. And so, like him, just kind of checking in about some of the kinds of constructions that I've, or inventions, or just the words that I'm wondering about. Sometimes, can you think about this idea of no self as multiple selves or infinite selves? 'Cause, no, not so good. No self at all. No, it's okay. Okay. No, no, these are all very good. I, you know, this is what I mean. This is so close, so far, so easy, so difficult. Yeah. Tricky. Yeah. Okay, so can I check in another vocabulary? Because multiple and one has really no difference at all. But what about infinite and none being very close? Because if, like that, kind of like when you say, like beyond counting. Yeah. And then? The other one is emptiness. Yeah. Like openness. Openness. Yeah, for sometimes for the path, might work, that term, if it is interpreted that open to be you looking at a desirable object and also have this openness to accept that it's not also desirable object simultaneously. La question était, si j'ai compris, pour mieux suivre ce paradoxe de la voix, j'essaye de chercher dans le langage ou les expressions, les images, des choses qui pourraient me faire comprendre mieux la vacuité et l'inexistence du soi. Et il m'est venu cette idée que peut-être quand on dit pas de soi, ça signifie peut-être des sois multiples ou un nombre infini de soi. Et Rinpoche répond... cette façon de voir les choses est si proche et en même temps si lointaine de ce que l'on cherche à comprendre. Mais que, par exemple, l'un et le multiple, c'est exactement la même chose. Et ensuite, quand on parle du vide, et on fait souvent l'équation entre le vide ou la vacuité et l'ouverture, le vide et l'ouvert. Est-ce que c'est exact ? Oui, parfois... pour la voix, la pratique de la voix, l'ouvert peut être synonyme de vide si lorsqu'on on est face à un objet désirable, on peut avoir l'ouverture suffisante d'accepter que tout en étant désirable, il n'est pas désirable. Yes.
Thank you, Rinpoche, for the teachings and for the blessings of the lung. Earlier, I think you said that you were talking about the phenomena having birth or not having birth. And I think you were saying that if we believe too strongly that phenomena, if we believe that phenomena have birth, have an origin, then we fall into eternalism. And if we believe that phenomena have no birth, then we fall into nihilism. It's, yeah, birth and the death or the exhaustion and the, what do you call it, in between, they are all what qualifies an existence, isn't it? We are just choosing birth, the beginning. That's all. Okay, it's just that, and maybe this is taking what you said too literally, but I think you said, so we have to strike a balance between these two, between... Balance, what do you mean? Have accept both kind of balance or accept none kind of balance? Well, that's why I'm asking you. That's a question. I think accept none, because this is what Buddha said. Wise one person should not be even in the middle. Well, that's cleared that up. Okay. Are you going to translate or? Vous avez parlé plus haut que. Pardon, vous avez dit avant que les phénomènes. Si l'on croyait fermement à la naissance ou au fait que les phénomènes aient une origine réelle, nous tombions dans l'éternalisme. Et si nous croyons fermement, ou si nous croyons, pardon, qu'ils n'ont absolument aucune origine, nous tomberions dans le nihilisme. Rinpoche répond, la naissance, la durée et la cessation, ce sont les qualités d'un existant, d'un étant, de quelque chose qui est ou qui existe. Et de ces trois parties, ou de ces trois éléments qui font d'un existant un existant, on a choisi donc le premier, le début, l'origine. Est-ce que la question... poursuit, est-ce qu'il faut trouver un équilibre donc entre ces parties, entre la naissance et la cessation? Quel équilibre, demande Rinpoche? Il précise aucun équilibre à chercher en fait, parce que pour citer le Bouddha explique qu'il ne faut non seulement se tenir dans aucun extrême, mais qu'il ne faut pas non plus se tenir au milieu. Wait, no, Jingme Rinpo said something like Tony Gumpa Mamaji. Maybe Shiba. Something like. He said something like along this line. He said, I have seen a lot of people doing practice of emptiness, meditation on emptiness. But rarely I have seen those who. Maybe the Bashik said, this meant. I have seen quite a lot of people doing meditation on emptiness, but rarely I have seen those who have no clinging to non-existence. C'est Jigme Lingpa qui dit. J'ai vu beaucoup d'individus qui méditaient sur la vacuité, mais j'en ai vu très peu qui n'aient pas d'attachement au non-être. Ok, who has the mic? Yes, I have. Ok. Yeah. Rinpoche? Wherever, tell me. Ok. Yesterday you spoke from people who just sometimes we are sad, and you said we can be sad because of two things, but of referring and comparing always, all time, and then of because we are lost. And so the question is how not to be lost. Oh. Apply shitting. Apply the letter to the friend.
Hier, vous avez parlé de la tristesse qui venait de nos préoccupations et de du fait que nous soyons perdus. Comment ne pas être perdu? Eh bien, pour cela, appliquez la lettre à un ami. Is ignorance necessary to realize Buddhahood? I could ask this question, make part of it, saying that as I am entangled in the self, even the best practice I can do may look like blind faith. Only few ignorances necessary. Some. Est-ce que l'ignorance est nécessaire à l'éveil, puisque je suis prise dans le soi, dans le moi, dans le soi, et que le mieux que je puisse faire peut se ramener à de la superstition. Such as. On a besoin d'ignorance, mais seulement d'un peu d'ignorance. Such as thinking there is enlightenment. Croire à l'existence de l'éveil. Such as thinking that there is defilement. Croire à l'existence des souillures. Such as. Thinking that there is a self that is practicing and progressing and then eventually get enlightenment. Par exemple, l'ignorance de croire qu'il y a un soi qui pratique, qui progresse et qui finira par atteindre l'éveil. Buddha saying that he cannot share his enlightenment. But in Vajrayana, which is also part of the Buddhist teachings, through the path of devotion, it says the realization of the teacher can be transferred into, like Jimmy Limpa and Longchenpa. No, that's easy to answer. And actually, it's a very important question. This alone proves that guru in the Vajrayana is not limited by the notion of teacher. Guru is the path. That's why. So he can do everything. I think even cooking. Okay. Rinpoche. Wait. Il va falloir. Vas-y, Christian. Ah, il a plus de. La question, c'est. La question était que Rinpoche avait dit que le Bouddha avait déclaré qu'il ne pouvait pas partager son illumination. Et j'ai demandé à Rinpoche, dans le Vajrayana, qui est aussi une partie de l'enseignement du Bouddha, comme on dit que la réalisation du maître, par la voie de la dévotion, peut être transférée dans l'esprit du disciple. Et Rinpoche disait que dans le Vajrayana, le maître est aussi considéré comme la voie, donc tout est possible. Que le maître ne se limite pas à la fonction d'enseignant, d'instructeur. Oui. Ok. Rinpoche, is this on? You can hear me? I'd like your comment, please, on this. It's something that I heard, and I know it's true. And the person involved, I want to make this clear, did not take drugs, not take LSD, no mind-altering substance, very straight Austrian person. Yes. Now, I know, Rinpoche, you often use the example of the mirror, looking in the mirror and seeing your face as a way of, when we speak about the emptiness of phenomena, it's like the reflection, your reflection in the mirror. But this person looked in the mirror and they didn't see their face. I don't know whether they saw something else or there was nothing. They became completely freaked out because it didn't see their face. Maybe they saw a sandwich, banana,
or nothing. But they became a Buddhist monk afterwards. They were a very sane person. But it disturbed them so much. I'd just like your comment on this. No comments. Because I always, you know, it's such an interesting... I think his merit is manifesting as no reflection, so that he will become a monk. Okay, that's it, right? Yeah, okay. Rinpoche, oui? You... Pardon, je vais... J'aurais voulu avoir votre avis sur cette histoire de quelqu'un qui était saint d'esprit, qui n'était pas sous l'influence des drogues ni rien, et qui, se regardant dans un miroir, n'a vu aucun reflet. Et ça l'a troublé énormément. Et si, ça l'a tellement troublé qu'il en est devenu... qu'il est devenu moine. Et donc, qu'en pensez-vous, Rinpoche? Je n'en pense rien. Je pense que ce sont ses mérites qui ont pris l'aspect d'une absence de reflet. Okay. Rinpoche, yesterday, I believe you mentioned the story about Chandrakirti milking the painting of the cow and bringing milk out. And I've heard just this reference many times, but I've not heard many explanations of the logic behind how realization of emptiness leads to the ability to manipulate reality for the appearance of others, so that others could see it. And then the second part is why he did it in this story or otherwise. What, was he just doing it to show emptiness or because they needed milk? La question c'est... on parle souvent de Chandrakirti trayant l'image d'une vache et en ramenant du lait. Pardon, ramenant du lait. Est-ce que, je voudrais connaître la logique qu'il y a là derrière, est-ce que c'est simplement pour montrer à ceux qui ne l'ont pas vu la vacuité, ou est-ce que c'était simplement pour avoir du lait? Well, what do you... You know, once you realize, Nagarjuna said, those who can accept the emptiness, or those, actually even more, those who have realized the emptiness, what you can and what you can't, the distinctions, disappears. Quand on a réalisé la vacuité, dit Chandrakirti, la différence entre ce que... Nagarjuna, pardon. La différence entre ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire devient de plus en plus ténue. Elle disparaît. If I was there, si j'étais là, more likely I would have not seen and I would have been annoyed by all the hoo-ha. Et j'ai bien peur que si je m'étais trouvé là au moment de ce miracle de Chandrakirti, j'aurais rien vu et j'aurais été bien embêté. I think for the second aspect of question is for both. He wanted to show to some of his close, I mean, those whoever has the capacity to see that, and then also they needed milk. Et je pense que, en fait, la deuxième partie de la question, c'est Chandrakirti a fait ce prodige, d'une part pour montrer à ceux qui étaient capables de le voir, et d'autre part pour se procurer du lait. As far as anything is possible. There's a question in there that has been bothering me for a long time. In the American dream, so to speak, anything is possible, but it takes time. But this kind of anything is possible doesn't seem to take time. No, because this kind of is... The possibility is because there is no time. Right? Suivant le dans le rêve américain, on dit que tout est possible, mais que pour cela, il faudra du temps. Et Boche répond que tout est possible justement parce qu'on a dépassé ce problème du temps. Ok, thank you. Yeah. Yesterday you spoke about the option to be a nun for 1 month. How does... Can you explain this more, please? Oh, no explanation. Just become nun for 1 month. That's it. What explanation is necessary? What do you mean? How to go to Burma and all that? What? How? Comment ça se passe pour devenir moine?
un mois par exemple. Eh bien, Rinpoche répond, devenez non pendant un mois et vous verrez quel... est-ce que vous voulez savoir comment il faut se rendre en Birmanie et tout... Yes. Oh. Lonely Planet is really good. Si vous pouvez consulter Lonely Planet, c'est plutôt bien. Yeah, it's really good. Read. And then, who has now the mic? Okay, please. Rinpoche, I would like to ask you, what is mindfulness and how we can relate it with the present moment? The mindfulness, how we can relate with the present moment and practice it. Or generally speak a little bit about mindfulness. Okay. Comment peut-on rapporter donc l'attention au présent? Qu'est-ce que l'attention d'abord et comment la rapporter au présent? Were you here when we were talking about bulging stuff? Est-ce que vous étiez là quand nous parlions de ces renflements en haut et en bas? So that's it, that's mindfulness. Eh bien ça, c'est l'attention. Whatever you are thinking, knowing that. À quoi que l'on pense, quel que soit l'objet de notre pensée, le savoir que l'on est en train d'y penser. Or more, maybe what emotions, whatever the emotions is arising, just knowing that. Quelle que soit l'émotion qui apparaît, s'en rendre compte. But to develop that, you should develop shamatha. Mais pour cultiver ça, pour l'approfondir, il faut cultiver shamatha. And that is concentrating on the one object. En posant son attention, en se concentrant sur un seul objet. Okay, I think we'll end here today. On va en rester ici pour aujourd'hui. Yes, I know there's some also written questions. I will do it tomorrow. Demain, je répondrai à des questions écrites.